Bonjour monsieur, je suis bien à l'hôtel ? Oui, bonjour monsieur. Agence de voyage Martin Martin à l'appareil. Oui ? J'ai un groupe de touristes qui arrivent d'Espagne et je dois les mettre 24 heures en confinage pour être sûr qu'il n'y a pas de problème sanitaire. Oui ? Donc j'ai choisi de les placer chez vous. Bah, ils sont combien ? Vous êtes combien ? Bah, ils sont 30, donc j'ai prévu 10 chambres. Moi j'en ai 9, hein. 30 personnes, ça va pas être possible. Ah bah si, c'est possible. Bah, je vous dis que non, moi c'est pas possible. Si déjà on en met 3 par chambre. 3 par chambre, mais j'ai pas des grandes chambres. Hein. C'est quoi que vous avez des doubles ? Et oui. Dans ce cas, pas de problème. Je vous commande des matelas en plus. Mais ils vont être trop tassés, monsieur. Il faut la place pour les mettre, les matelas. Ils vont même pas pouvoir se bouger dans les chambres. Eh bah, pas de souci, on les mettra dans le couloir. Mais ils vont pas coucher par terre, monsieur. Puis on n'a pas le droit de mettre tant de gens que ça. Mais si, vous leur direz que c'est une grande chambre en longueur. Ça se fait beaucoup en Espagne. Et au niveau sanitaire, monsieur, ça va pas le faire. Attendez, je valide la commande de 30 matelas supplémentaires. Mais vous rendez-vous compte? Alors, j'ai mis paiement à la réception hein, pour les matelas, parce que c'était plus simple. Paiement à la réception, parce que c'est à moi de payer les matelas. Déjà, je vous fais la commande. Vous voulez pas que je vous les paye en plus? Non, monsieur, c'est pas le moment de me mettre des quelque chose sur le dos. Hein. Vous êtes en train de parler pour moi, là. Vous êtes en train de me faire d'une commande à ma place. Oui, pour vous rendre service, parce que comme ça, c'est fait, c'est fait. Pour vous rendre service, là, vous êtes en train de me foutre dans la merde, monsieur. Comment ça? Bah, les chambres, qui c'est qui va les payer? Vous inquiétez pas, je leur ai dit que c'était des chambres gratuites, donc ils vont. Mais des chambres gratuites chez moi? Non, mais vous rigolez ou quoi? Mon hôtel, il est pas gratuit, monsieur. Si, puisque j'ai déjà vendu votre hôtel gratuit à mes clients payants. Mais qu'est-ce que vous me dites? D'ailleurs, là, vous avez une salle de restauration? Ah, bah oui. Parfait, comme ça, je confirme le traiteur. Non, mais vous rendez-vous compte de ce que vous allez monter là? Là, je suis sur le cul, là. Non, mais c'est mon beau-frère, il vous fait un forfait tout compris. Non, mais là, je vous ai pas encore dit oui, je viens de vous dire. Pourquoi vous voulez m'envoyer encore d'autres choses? Ah, aussi, vous avez un parking? Oui. Très bien, bah, comme ça, on installera une tente en plus. Une tente où vous allez mettre ça? Bah, sur le parking. Non, mais. Est-ce que je vous ajoute l'option montage ou pas? Non, moi, je monte rien du tout. J'ai assez de travail comme ça, monsieur. Oh là 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 là. Il faut quand même que vous sachiez que si je prévois un monteur, ça va être facturé en plus du prix de la tente. Parce que vous allez me commander une tente pour moi encore? Oui. Non, monsieur, on annule tout. C'est validé. Non, mais là, arrêtez de commander pour moi. Non, mais vous rigolez ou quoi? Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire. Non, mais alors, rassurez-vous, ils vous font un prix sur la tente parce que. J'ai pas besoin de la tente, monsieur. Vous rigolez ou quoi? Et surtout, me dites pas merci quand je vous file un coup de main. Mais vous rendez-vous compte de ce que vous faites là? Je vais vous en faire autant. Bah, vous allez voir quand vous allez avoir des colis qui vont arriver chez vous. Non, mais vous y êtes pas ou quoi? Vous me faites des commandes pour moi. Sur quel nom vous avez mis tout ça? Eh ben, sur l'hôtel. Arrêtez, monsieur. Arrêtez de commander pour les gens. Vous n'arrêtez pas de me faire des commandes pour moi. Je vous refuse tout déjà. Ah oui, aussi, tiens, je vais vous prendre un intérim qui vous aidera sur le service. Non, mais moi j'ai besoin de personne. Non, mais ce sera pratique quand même. Allez. Non, vous me commandez rien du tout à mon nom. Pour l'instant, chez moi, je suis PDG de mon entreprise. En aucun cas, personne n'a jamais commandé pour moi. Pardon, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vous ai dit. Non, vous êtes un charlatan, monsieur. Bon, pour le minibus. Non, monsieur, rien. Comment ça? Non, je vous dis que non. Bah, moi je vous dis que si, parce qu'il faut que vous puissiez véhiculer les Espagnols. Non, mais. Mais jusqu'où vous avez été, là? Non, mais. Et le minibus est à mon nom aussi? Oui, il me faut le numéro du permis, en revanche. Mais que dalle, vous aurez rien du tout. Bah, comme je vous ai mis en conducteur principal. Non, parce qu'on dit personne, monsieur. Moi, le midi, je suis en cuisine et je sers en même temps. Vous rigolez ou quoi? Bon, bah, dans ce cas, je mets un taxi, mais alors ça, je vous rajoute un taxi. Mais vous êtes ignoble. Comment ça, je suis ignoble? T'es ignoble. Ah, bah, merci. Je te veux même pas comme mec. En aucun cas, je te veux comme mec. Ah, bah, j'allais vous le proposer, pourtant, je me disais. Ah, bah, je te jure que là, moi, un mec comme toi, bah, non, c'est pas possible. Tu commandes pas une femme comme ça, déjà. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose, quand même, entre nous. Pas du tout, non. Je préfère être toute seule qu'avoir un mec comme toi. Mais excusez-moi, entre nous, vous êtes quand même un petit peu en train de me draguer depuis tout à l'heure. Dis, pour rien au monde, je te veux, quoi, je te dis, moi. Ah, ça, c'est un canular. Et si c'est un canular, on peut espérer quelque chose ensemble ou pas? Non, pas du tout. Ha ha ha!